Elisabeth et les 30 Parce que c'est en fait tout à l'heure, tu as dû choisir. Je vois rien. Je les verrai. Putain, mais c'est pas possible. Ah ben un jour je me trimballais du quartier côté de quartier de l'église là, j'ai entendu, il était midi et j'avais pas à manger depuis 3 jours. Et je suis entré dans l'église, doucement quand même, et il y avait 3 clochards qui sonnaient les 12 coups de midi. Alors je me suis dit qu'il y a peut-être 1 ou 2 coups pour moi. J'ai abordé le premier. Eh, hey, dis donc, j'aime bien quand tu bouges. J'adore clocher. Tu sais tirer, toi. Tu fais ça toute la journée, du matin au soir. Il fallait que je joue sur la corde sensible. Écoute, ça dirait que on a un peu plus loin. Je sais pas, tes amis, ils s'y prennent aussi bien que toi. Alors là, c'était la fin du midi, ils avaient quand même fini de sonner les 12 coups. Et ils avaient l'air sacrément intéressés. Je lisais dans leur regard un sérieux implacable, mais un intérêt tout mesuré. Nous allons donc à l'auberge. Ben oui, on va à l'auberge. Où j'avais mes petites habitudes et mon lit king size. Il est plus fort à l'auberge. Oui. Alors là, vous voyez, c'est optimisé. Tout est fait pour qu'on puisse s'amuser. Excusez-moi, vous êtes trompé de position. Mais là, quand ils ont vu le lit king size, ils ont commencé à devenir fous. Et vu qu'il était midi 30, ils ont commencé à essayer de sonner les cloches. Non mais... Je sens que c'est un réflexe, Vous avez pas compris, là? Oui, moi, c'est là. Ils cherchaient à tout prix des cordes dans ma chambre. Et il y en a un qui l'a trouvé, mais c'était la corde que j'avais prise pour me pendre. Oh, oui. Oh, c'est à moi, ça. Faites du bon age. Non. C'est... Da. Je ne parlais pas anglais. Vous avez un choix à tirer? Non, c'est le problème. Ah bon? Mais bon, c'est pas ça que je veux parler ce soir. Ah bon? Non. C'était quand même dur de les mettre à la tâche. Du coup, j'en ai gardé qu'un seul, celui que j'avais sous le bras. L'autre, je l'ai dit va-t'en. Il s'est en allé très vite. D'ailleurs, il n'est plus là. Et je me suis occupé du troisième. Tellement bien occupé que la scène sera censurée. Et que nous nous marièrent dans cette même église dans l'après-midi, avant 14h. Écoutez, nous sommes ici pour rejoindre deux vies, une à l'autre. Pour un bon bout de temps, j'espère. Ah là là, c'était mon bon clochard, mon petit Quasimodo à moi. Monsieur Quasimodo Char, acceptez-vous de prendre pour épouse la femme que vous avez... Il m'a dit oui, et Dieu sait, j'ai touché sa bosse. Chers enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Elisabeth, comtesse de Villefranche-Lugue. Elisabeth avait 3 enfants. 3 enfants, hélas, bien moches. Ils décidèrent, contre le gré de leur mère, de quitter le foyer marital, conjugal, parental. Elle-même les appelait les 3 cochards. Oh, écoutez, les petits morveux, là. Non, Edgar, non, s'il te plaît, non, 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 non. Nombre d'entre eux semblaient souffrir d'handicap. Oui. Elisabeth tentait fort, tant bien que mal, d'aimer ses enfants. Mais hélas,
Nos sociétés ne pouvaient l'accepter. Non. C'est pourquoi Elisabeth jeta ses trois clochards à la mer. Oh là là. Les trois clochards trisomiques, tant bien que mal, de quoi subsister et de quoi retrouver l'amour de la mer. Une crête de nez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est un chien mort. Après de mêmes aventures dans les rues à aider tels des teubés, ils rencontrèrent l'homme qu'il fallait. Maman. Mais oui, c'est moi. Oh, le maître, je suis votre rêve. Comment vous abandonnez à cette pauvre dame qui n'avait pas d'enfant et qui était riche alors que moi, je suis pauvre. Vous savez, j'ai toujours voulu vous le dire, les enfants, mais vous étiez tellement crasseux et poisseux et... pas comment j'ai pu l'amener, je... Voilà. Les enfants qui se mettent dans cette surprise monumentale furent pris de folie. De la fausse mère, de la sale mère, de la bonne mère. Mais non, vous, calmez-vous, calmez-vous, je... Non, vous avez un mal en vous qui est facilement contrôlable. Il suffit de se concentrer, vraiment. Allez, petite soeur d'entraînement, s'il vous plaît, vos enfants. Imaginez-vous, votre fausse maman qui est très jolie. Contemplez-la, elle vous servira de muse. Après un entraînement intensif, les trois teubés devinrent de vrais gentilshommes. Ils regardèrent leur vraie mère, sale, dépouilleuse, dégueulasse, à vache cerbée, horrible. Ils lui crachèrent dessus, bien sûr. Oh. Après ce crachat plus ou moins tendancieux, ils retournèrent voir Elisabeth et lui dirent ceci. Ceci.